لله كل شيء داز بخير الامور ديالنا الحمد لله. جينا من الخوزيرات والده عيانه شويه في الكاروسات عاونوا معنا في لاشانسور عاونوني تعاملوا معي مزيان في الباطو وكل شيء الامور داز مزيان الحمد لله. العيد ما بغاش تبقى في اسبانيا قالت كوالو نجي للعيد ومريضه. الحمد لله الله يبارك فيك. جينا بسبانيا مورسيا جينا مزيانين العائله ديالنا جينا فرحانين باش نعدوزو العيد ان شاء الله باذن الله مع العائله ديالنا. هادشي مزيان الحمد لله كلشي داز مزيان تلاقينا معاهم كلشي داز عندنا بخير وعلى خير الحمد لله كاين حتى شي مشكل. حنا فرحانين ولادي فرحانين وعائلتنا اللي غادي عندهم فرحانين بزاف حيت جينا ندوزو معاهم العيد. هادشي اللي كاين. شكرا بزاف على الاستقبال ديالكم. Au niveau du port de Tangemed, après 9 jours du lancement de l'opération Marhaba qui est placée sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI Lensro, dans un contexte particulier puisque nous sommes à quelques jours de l'Eid al-Adha. Les espaces d'accueil Marhaba qui sont situés au niveau du port de Tangemed et donc qui sont mis à disposition par la Fondation Mohamed V pour la solidarité de manière à être en proximité avec les familles qui arrivent et donc à travers l'intervention des assistantes sociales mais aussi des équipes médicales pour être là à leur écoute, répondre à toutes leurs sollicitations et prendre en charge les cas et les situations qui peuvent se présenter à eux. Ce qu'on a enregistré à la journée d'hier, donc mercredi 11 juin, c'est une affluence de près de 172 000 Marocains résidant à l'étranger, et ce qui représente en fait une augmentation de plus de 18% par rapport à l'année dernière, parce qu'en général, le mois de juin en termes de fluidité est assez léger. L'accueil de nos compatriotes de retour au Maroc et même dans la phase de départ se fait dans le cadre d'un travail collectif hein, qui est mis en œuvre avec les différentes parties prenantes de l'opération. On peut citer les autorités aéroportuaires, les services de la douane, les services de la DGSN et ici en particulier donc, le port de Tangemed avec lesquels nous œuvrons quotidiennement pour assurer les meilleures conditions d'accueil de nos compatriotes résidents marocains à l'étranger.